Viens débarrasser cette pourriture. Dépose-toi. Bonsoir. Bonsoir. Tu penses que c'est le fameux Raphaël? Ah, et vous, Christelle? Ouais, c'est moi. Excuse-moi de me... C'est mieux de ne pas me... Vous voyez? Tu peux me tutoyer. Ah, d'accord. Et je ne sais pas si vous pouvez être un peu rapide parce que... Non. J'ai pas je le temps. Je n'ai pas voulu trop de ton temps. Prends place. D'accord, merci. Tu sais quelque chose à boire? Non, merci. J'ai pas assez de temps. Raphaël. Je pense que tu es en train de te poser la question à savoir comment j'ai pu avoir ton numéro, c'est ça? Bien sûr. Bon, je l'ai obtenu par le canal de Marcel. Marcel? J'ai piqué son téléphone et... J'ai pu avoir ton numéro. C'est une amie à moi. Et c'était pour quoi faire? Mais je voulais juste voir. Je suis Raphaël qui me parle tout le temps. Il est mignon, mon Raphaël, et blablabla. Bla, bla. Je te trouve encore plus mignon. Merci. Qu'est-ce que tu trouves d'extra sur cette Marcel? Qu'est-ce que je trouve d'extra sur Marcel? Ouais. Je vous comprends pas. Mais tu ne comprends pas quoi, Raphaël? Hein? Tu n'es pas quand même un gamin? Je veux dire... Qu'est-ce que tu trouves en elle? Qu'est-ce qui t'attire en elle, franchement? C'est une belle femme. Elle est serviable. S'il te plaît. Ne continue même pas. Parce que si tu racontes le scénario, tu vas mourir. C'est une prostituée de basse échelle. Elle monte et descend avec les hommes dans les boîtes de nuit tous les jours. Mais elle m'a fait comprendre qu'elle a changé. Franchement, laisse-moi te dire, tu es naïf. écoute. Moi, je peux t'entretenir. Non, ne ris pas. J'ai tout ce qu'il te faut. J'ai de l'argent. Je peux prendre soin de toi. Tu vois un peu de quoi je parle. Hein? Bon. Hein, Raphaël? Bien. Je vous ai très bien compris. En fait, je t'ai très bien compris. Et comme j'ai ton contact, je vais te rappeler pour qu'on en discute.
Je suis très très pressé. On aura l'occasion d'en discuter. Hein? Raphaël, tu as 2 jours pour réfléchir. J'ai déjà ton contact, je t'appelle. D'accord. En êtes-vous avec l'enquête dernière? Commissaire, je suis toujours en train de travailler sur cette enquête. Franchement, Steve, cette enquête, ça date déjà 1 an aujourd'hui. Et depuis que je t'ai fait infiltrer, je n'ai pas eu de suite favorable. Et en plus de cela, j'ai perdu un de mes éléments, qui est ton collègue, bien sûr. Mon commissaire, je vous en prie. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour cette enquête. Je suis sur le point de l'achever. Je vous en prie, donnez-moi juste encore un peu de temps. Tu as encore besoin du temps pour terminer cette enquête? Mais je te comprends pas. Ça fait 1 an aujourd'hui. Je dis bien 1 an. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore de suite favorable. Je lui ai dit, je n'ai même pas de preuve pour mettre la main sur Lydienne, y compris Ray. Chef, je vous en prie. Il y a trop de vie en danger pour cette enquête. J'ai énormément perdu. Je vous en prie. Je suis vraiment sur le pont de la poule. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Je vous en prie. Juste un peu de temps. Mais Steve, je te comprends très bien. Comment ça encore un peu de temps? Nous avons plus du temps. Et l'État a déboursé énormément d'argent pour vous loger, nourrir. Et vos soirées chic. Faites entrer l'inspecteur Ina dans mon bureau tout de suite. Je suis désolé, Steve. L'État me fait pression. Mais chef, c'est qui exactement Ina? Ina, c'est ta nouvelle coéquipière. Mais j'ai pas besoin de travailler qui que ce soit. Steve, tu n'as pas d'ordre à me donner. Comme je t'ai dit, l'État me fait pression. Posons l'inspecteur Ina, qui sera désormais ta coéquipière. Ina, je vous présente l'inspecteur Steve. Mais, chef, ce n'est qu'une femme, c'est trop dangereux pour elle. Je vous rappelle, monsieur Steve, l'inspecteur Ina que voici, elle a été promue première de sa promotion et a fait des études au Canada. Et elle a été également déléguée par le ministère de la Défense. Salut, je suis ravie de vous apporter mon soutien. Mais c'est énorme pour une histoire vénérable, monsieur.
Moi, je vous donne maxi 2 semaines. 2 semaines. Et on n'entendra plus parler de cette histoire. Si oui, dans le passé. En plus, madame se prend pour une super gueule, c'est ça? Non, mais c'est n'importe quoi, ça! Voilà quelqu'un qui me rassure. Steve, à partir de ce soir, tu dois remettre tous les dossiers concernant cette enquête. Dis ce soir à l'inspecteur Ina. C'est elle qui va s'en charger. C'est une n'importe quoi. Chérie, tu m'as appelé, tu cries au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Je veux tout savoir, absolument tout. Tout? Mais de quoi est-ce que tu parles? Sois plus explicite. Marcel, ne joue pas les futés avec moi. Je suis au courant de la vie de débauche que tu mènes. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais me bourrer la tête toute la vie avec tes mensonges? Alors raconte, parce que j'ai toute l'histoire en couleur. Mais chérie, je suis confuse, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je t'aime, je te jure. Marcel, ne touche pas. Tu sais quoi? Christelle m'a tout dit. Et actuellement, je te déteste! Christelle? Mais qu'as-tu bien pu te raconter? Pourquoi tu te mets dans cet état? Ah oui, c'est ça. Moi qui s'est confié à toi. Moi qui t'ai dit le pire de mes secrets. Je croyais pouvoir te faire confiance, Marcel. Mais là, tu viens de me prouver que je me suis trompé. Christelle. Mais elle va m'entendre celle-là. C'est ça. Moi qui croyais qu'elle est mon amie. Mais chérie, je te jure. Crois-moi, je t'aime. Arrête de me toucher. Ne me touche plus. Toi, Marcel. Toi. Mais tu me déçois. Tu me déçois énormément. Maudit soit le jour où j'ai fait ta connaissance. Ne m'appelle plus jamais. Plus jamais! Tu peux pas me faire ça. Raphaël! Christelle! Mais tu vas m'entendre. C'est que parce que cette affaire est importante pour vous, que vous allez me faire débarquer chez vous à cette heure. Vous avez regardé l'heure? J'en ai rien à foutre de votre heure. Inspecteur Ina,
Donc c'est vous qui venez vous introduire dans mon enquête. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous pour résoudre cette affaire. D'accord? Inspecteur Steve, cette affaire a beaucoup traîné. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Défense m'a fait appel. Le ministère de la Défense. Écoutez très bien ce que je veux vous dire. Vous et votre putain de ministre à la con qui est assis dans son bureau. Que je n'ai pas besoin de vous pour résoudre cette affaire. Est-ce que c'est clair? Steve, allez lui dire ça vous-même. Je comprends très bien ce qui se passe. Je comprends très bien le jeu que vous faites. C'est normal, vous êtes jolie. Il a suffi d'un regard à cet enfoiré dans son bureau pour vous faire débarquer dans mon enquête. Inspecteur Steve, vous vous reprochez de quelque chose? Quoi? Inspecteur Nina, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Vous saviez très bien de quoi je parle. Écoutez, vous n'êtes qu'une femme, ok? Cette enquête est très dangereuse! D'accord? Écoutez, il y a des choses, il y a des vies en jeu dans cette affaire. Je n'ai pas besoin de vous. Et encore moins de cet enfoiré de ministre à la con pour me dire ce que je dois faire. Les dossiers. Vous allez mieux me connaître sur le terrain.